Oh putain! Pardon, vous pouvez me pardonner? Non, je te pardonne seulement si tu me ferais des croissants. Oui, oui, bon monsieur. Oh. Viens venir, mon pote. C'est l'homme gras qui rentre. Il va manger des croissants naturellement. Il mange des croissants plus souvent. Très bien. Mouillez le lait avec la croix dans une coupe. Et pétrissez la levure aussi dans cette coupe. Alors, vous savez additionner d'œufs, la farine et des sucres et des sel. Maintenant, vous pétrissez la pâte pendant 3 ou 5 minutes. Alors, tu prends la pâte et vous la placez dans un réfrigérateur pour 10 minutes. Tu peux sans tes croissants? Oui, je mets la salive à la bouche. Après le réfrigérateur, vous avez formé tes croissants. C'est un process problématique. Il n'y a pas un croissant parfait. Alors, vous pouvez former tes croissants comme vous le voulez. Mais nous proposons que vous employiez beaucoup de beurre. Oh, on peut écouter l'homme graffé de cuisine. En français, croissant signifie dernière quartier de la lune. Mais les mots sont du mot croissant. C'était Boulanger d'Austrian qui a inventé la croissant en année 1800, mais encore aujourd'hui, la croissant est considérée comme une délicatesse de la France. Bonjour. Bonjour. Oh, vous faites des croissants? Il y a encore des croissants pour moi et mon pote. Vous savez que vous faites des croissants formidables? Oui! Vous mangez des croissants si mon pote en doit manger des croissants aussi. Oh! Oui, oui, oui! Très bien! Croissants! Vous pouvez me pardonner pour le coup, Anders. Oui, parce que tes croissants sont formidables.